Chers amis, bonjour, bonsoir, chefferie in the house. Je viens de présenter nous trois autres outils que utiliser dans la cuisine. Premier, c'est tweezeuse, son pince liée. Si avec lui, nous songeons dans le premier segment, nous démontrons que nous avons un couteau qui est le boning knife qui fait filet. Donc, le fin fait filet poisson, tout petit os qui était dans le poisson, c'est avec tweezeuse, vous râlez, vous retirez, vous paillez pour filer à carité sans os. Deuxième outil aujourd'hui, c'est oyster knife. Ou bien, ça nous dit que la zuit, nous connaissons qu'il la dû, donc nous sommes comme ça pour nous ouvrir la zuit là, pour nous manger le noyé dans l'oyster bar pour nous boire. Ou bien, pour manger le cagel, nous ne Troisième, c'est notre paring knife. Mais ça, les différents, les tourner knife. Que nous qui nous avons le n'a fait tourner potato. Dans le prochain segment, m'a montré nous comment nous fait tourner pomme de terre tournée. Donc ça c'est un paring knife tout mais les différents, il y aurait le couteau bec d'oiseau tout. Donc parce que ouais, il semble un bec d'oiseau, donc nous utiliser lui le à éplucher tout mais leur bail légumes yo ou bien fruits au forme. C'était tout ça que pour nous aujourd'hui hein. Dans le prochain segment, m'a montré plus d'informations pour nous. Allez, c'est Michel Carré. Moi, ma petite ligne de la vie, je suis allé à la chaîne de Cabo. Je viens. Je suis quand même ma petite patine. Je vais aller regarder sur YouTube comment vous faites ça. Si vous voulez. Moi, c'est Darlene Desca. Moi, avec Chef Ray, moi, avec Lady G. Welcome Florida. I'm chilling with Regina. Si vous avez besoin de mon capture, c'est parce que je garde les choses depuis le 11, chilling with Regina. Je me manger ici, manger qui bon. Je me garde les artistes qui parlent de eux. Tout le bagage qu'on a besoin qu'on ait. Et là, il n'y a pas besoin de me dire ça. Trust me. Chilling with Regina. Hit this baby. Non pas me faire garder le temps. Je chill avec Regina.